Salut tout le monde, c'est Picamille. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez passer de bonnes fêtes et que vous allez même être gâtés. Donc pour cette fois, j'ai pas fait un énorme concours. Je sais que l'année dernière, il était beaucoup plus gros. Là, j'aurais voulu faire bien plus comme je viens de passer les 13 000 abonnés et je vous dis encore merci, c'est pour moi un énorme cadeau de Noël. Je vous ai préparé quelques petits lots, mais pour cette fois, je ne vais pas vous les présenter. Je les aurai préalablement cachés dans le sapin, et le but étant de les retrouver et de trouver même un maximum de lots à l'intérieur. Plus vous aurez trouvé de lots à l'intérieur du sapin, ou même voir la totalité, plus vous aurez de chances de gagner et d'être tiré au sort. Pour participer, c'est très simple. Alors comme d'habitude, il faut être abonné à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo parce que ça montre votre contentement et moi ça me fait toujours super plaisir. Et ensuite, le plus important, ne mettez pas de « je participe, ça ne sert à rien ». Par contre, écrivez-moi dans les commentaires le nombre de cadeaux que vous aurez repérés dans le sapin et que j'aurai caché et de quoi il s'agit, si vous avez pu bien voir de quoi il s'agissait. Maintenant que je vous ai expliqué comment participer, je vais établir la durée du concours. Je voulais que ça dure 3 semaines pour englober Noël et le Nouvel An, comme ça vous aurez suffisamment de temps pour participer. Donc ça commencera du 19 décembre jusqu'au 5 janvier. Alors, vous êtes prêts à retrouver tous les Pokémon cachés dans le sapin? Allez, c'est parti! Pour ceux qui n'auraient pas trouvé tous les cadeaux sur le sapin et qui n'auraient pas été tirés au sort, j'ai quand même fait deux lots de consolation. Le premier étant un lot de cartes de XY de base en japonais, ainsi que quelques jetons. Et le deuxième étant un lot de la série Point Furieux en français. Et bien sûr le petit Pikachu, inutile de vous le dire, mais celui-là, il reste avec moi. Alors, vous avez trouvé? En tout cas, Pikachu, lui, l'a trouvé. Donc, tentez votre chance.